Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Unlisted. En ce moment j'ai un bonus de 300%, donc on va tenter de jouer le mieux possible relativement au point. On va se trouver un petit renfoncement caché derrière une butte pour faire un point de respawn. À la fois pour faire avancer mon équipe et à la fois parce que je pense que ça peut être très intéressant au niveau score. J'aurais peut-être dû le mettre plus loin. On va dire que j'ai joué la carte de la sûreté. Alors, on pourrait demander à nos soldats de rester là par exemple. Et puis on commence à sniper. C'est dur de rivaliser avec un sniper. Bon, s'il l'a mis dans la tranchée, je pense que là il aurait explosé. Il y a peut-être un allié qui le placera plus loin quand même. Et je pourrais aussi mettre mon point de ralliement ici. Alors, on va. Aïe. Ah, bah non, on va pas commencer avec lui. On va tenter. C'est plus risqué, donc c'est aussi plus intéressant en termes de distance. Je vois qu'on a un point allié aussi au nord. On a un spot intéressant. Et nos forces prennent le point. Aïe. Ah là là. Hop. Il y a du monde qui va respawn sur moi. Ça tombe bien. Alors, 200 points. Pas encore à des scores vraiment élevé, mais ça vient de commencer. On va dire que c'est pas anormal. Alors, il y a un... J'ai rien touché. J'ai fait une assistance quand même. Ah, mes soldats me suivent, j'avais oublié. Et ils prennent des risques que je trouve inconsidérés. Et mon autre soldat. C'est bon. Ah, au moins. On a capturé. J'ai un simple fusillé. Boum. Alors, en avance. J'ai vraiment fait pas fait beaucoup de kills avec cette escouade. Ouais, j'ai plus de kit de soin, j'ai déjà tout plaqué. Aïe aïe aïe. Ah mince, mon pote a même pas eu l'occasion de le voir. On va tenter d'avancer. Ça sert d'être un avion ennemi vu l'endroit où il tire. Deux avions ennemis. J'ai énormément de mal avec les avions dans ce jeu, je ne sais pas comment les autres font. Moi je me fais démolir. Alors il y a un mitrailleur peut-être. C'est un char. Alors j'ai ce qu'il faut pour affronter un char. Mais je suis pas très bon à cette distance-là et je pense que je fais moins de dégâts
il faut que je m'approche. Ça charge ça. Oh, oh. Je sais pas comment je vais réussir à m'approcher. Avant j'avais un canonnier AC qui était bien pour affronter les chars. Maintenant j'ai juste un fantassin classique avec ça. Faut que j'arrive à lui grimper dessus, idéalement. Hop, hop. Hop, c'est fait. Je pense qu'il se serait fait tuer relativement rapidement après. Allô. Alors, il y a du monde là-haut. J'avais oublié que j'avais équipé cette arme semi-automatique, plein de balles. Ça, ça sent pas très bon, on va tenter de se décaler. C'est passé. Le point de ralliement est encore utilisé, je me demande bien pourquoi. Ah! Il y en a des beaucoup plus intéressantes, typiquement celui-là. Je sais pas si je peux aller placer un point de ralliement encore plus loin. Ça pourrait servir. Donc, avec mon constructeur. Là, il y a une espèce de creux. Ou alors encore un peu plus loin. Si je le place là, je prends des risques, mais bon. Ouais, on va tenter. Peut-être notre chemin vers la victoire est pas tout à fait à 50 du point de ralliement adverse, mais il est déjà super proche. Par contre, si ça bombe du ciel, on sera mal barré. J'aurais pu le placer là aussi. Allez, on va laisser nos soldats ici. Non, on va leur dire de nous suivre. Du monde. Point de ralliement ici. C'est réglé. Ah. Ah, j'ai réussi à le louper. Ça capture. Ah. Je sais pas s'ils vont l'avoir sans moi. Ah, on a repris. Là, idéalement, il faudrait que j'arrive à cacher mon escouade dans le point. J'ai réussi à tirer trop loin. Ah, il est mort, ok. Donc tout le monde me suit. On va pas
rester là. On va prendre le risque de rentrer. J'en ai un seul qui est rentré, bon. Pas de chance, il s'est levé au moment où je suis arrivé. Ce qui va probablement nous donner la victoire. Toi tu te soignes, merci. Ah, j'ai pas... Ouais, j'ai bonus de vie, j'ai pas bonus d'efficacité des soins. Ce qui fait que je me soigne vraiment petit bout par petit bout. Mais bon. On va sortir avec lui d'abord. Ah, il est encore vivant lui. Ah oui. C'est réglé. Aïe. Oh, ça c'est vraiment fourbe. Le trou est minuscule. Je pourrais jouer avec cette escouade et venir par là. C'est un APC comme dans Héros Généraux, c'est-à-dire c'est un point de ralliement mobile où les joueurs peuvent apparaître. On est vraiment très lent, je trouve qu'on est très exposé, mais face au bombardement aérien par exemple, autant le petit point immobile il se fait souffler en un instant, autant le point de ralliement mobile il a tendance à bien résister. Bon, s'il y a une bombe qui tombe dessus, c'est fichu, mais il se fait pas souffler dans le souffle d'une explosion. Alors, faut que j'arrive... à manœuvrer quand même. Allez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est reparti. Ah, saleté. Ouais. Ça, ouais, ok, je quitte le véhicule. Vraiment mal placé, mais bon. Ah, je l'ai vu, mais de là à le toucher. Bon, c'est comme ça. Ah, je vais prendre une autre escouade. Ah, on va capturer en fait. Et je suis passé à 2000 de score. C'est plutôt pas mal. C'est un véhicule allié. Prendre aliment doit être hors zone. Parce qu'une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a bien avancé. J'en mettrai bien un nouveau par ici. Peut-être là par exemple. J'ai Félix, mais il a rien voulu savoir. Voilà. Ah, je suis trop près. Faut que je me mette un peu plus loin. On va se cacher là alors. On n'est pas visible de la porte. Bon, les gens verront. Les ennemis verront nos alliés respawn, mais bon. Je prends le risque. Essayer de suivre. Je peux pas fermer la porte. Ok.
je vais prendre mon dernier soldat. Ok, c'est par là les méchants. Ok, il y a ça. Et ensuite, lui. Voilà, on sera mieux caché. Ça c'est un peu loin pour toucher facilement. Bah après j'ai lui. Pas besoin de me peiner. Meilleure attaque à mec. Mon point de ralliement a été détruit. Il y a eu un bombardement. Pas vu. Mince, il y en avait un autre, c'était pas le bon moment pour recharger. On va avancer. Ah, il y a du monde. Ça. Non. Bon, j'en ai eu un paquet. Par contre, il y a toujours un point de ralliement là-bas. Mais à la limite, qu'ils spawnent là, ils vont être super loin pour aller défendre leur point. Et je suis repassé premier, pas mal. Sachant que plus je fais un meilleur score et plus je fais de bonus divers, plus j'ai de chance d'avoir un x1,5 qui a priori va se multiplier à mon bonus d'XP. Ce qui peut finir par faire un gros bonus. Hop. Ah, il a touché mon soldat. Alors lui, il doit avoir ça. Ma précédente, à mon avis, elle va pas servir. Ah, qu'est-ce qui m'a tué? Un type. Ah, j'aurais pas dû sortir avec ce bonhomme-là. J'aurais dû sortir avec quelqu'un capable d'affronter un char. On va capturer d'abord et après on ira prendre des risques à affronter le chat. Ah mais c'est la fin. Je vais même pas avoir le temps de drop ma bombe là. Ah j'ai pas eu le temps. Bon c'est pas grave. Point 1,4. Il y a un allié qui a fait un peu mieux. C'est pas grave. Oh 36 000. Point 1,5 pour la victoire. Point 1,4 pour mon score. Et j'avais fait 4300, j'ai déjà fait mieux, mais on est déjà super bien. Alors, il y a une escouade, opérateur radio, on va l'acheter, j'achète tout. De toute façon, il faut acheter pour pouvoir débloquer les trucs suivants. J'avais débloqué avant de me rendre compte qu'il fallait débloquer les choses plus tôt. Amagera mode 39. Pourquoi? Je ne sais plus. Peut-être pour essayer. Ah, peut-être pour avoir le gateway. Mais j'avais pas remarqué qu'il y avait des trucs avant. Je sais pas. En tout cas, on va l'acheter. On va acheter le gateway qui permet de débloquer les sapeurs 2. A priori, c'est les meilleurs sapeurs qu'on puisse avoir.
Et on va partir sur, je crois, c'est celui-là que je veux pour avoir les fusillés 3. Et celui-là que je veux pour avoir les tireurs d'élite 2. On va partir sur les fusillés 3. On va démarrer la recherche. On va l'accélérer avec ce qu'on a. Et ce sera tout pour cette vidéo. Sauf que j'ai des améliorations à faire. Lui, j'attends qu'il soit 3 étoiles. Ah si, j'ai gagné un niveau. Très bien. On va encore monter l'expérience des squads pour gagner des niveaux plus vite. Et eux, ils n'ont pas gagné de niveau. Très bien. On s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine bataille sur Enlisted.